Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous m'excuserez mais j'ai rien trouvé d'autre aujourd'hui que de me foutre à côté d'une rocade. Donc c'est possible que vous entendiez un petit peu les bruits de fond. Je vais quand même vérifier si mon micro a la réduction de bruit. Effectivement, il n'est pas activé. Donc en principe, si j'appuie là, ça devrait aller mieux. On se retrouve, vous l'avez vu aujourd'hui, pour vous présenter un nouveau bike sur la chaîne. On part sur un petit bike bien tranquille, hein. Un vélo de balade, ça va pas être un vélo pour faire la course, c'est un vélo, voilà, si vous voulez vous promener, que ce soit en ville, sur les chemins comme ici. Alors je suis pas parti dans des chemins de terre, je suis parti dans des chemins un petit peu gravillonneux, parce que bon, là ça a plu il y a vraiment pas longtemps. D'ailleurs, j'espère que je vais pas m'en prendre une sur la tête. Ça va être vraiment un vélo passe-partout pour se balader, que ce soit en ville, dans les chemins, bord de mer, où vous voulez en fait. Je prends mon téléphone, puisque comme d'hab, j'ai pris pas mal de notes. On est sur le modèle OneSport OT16. Vous le voyez juste ici avec la petite encoche. C'est un vélo pliant, un vélo qui va se plier sur trois axes, hein, puisqu'il va se plier non seulement sur le cadre, mais il va également venir se plier au niveau du guidon. Une fois plié, il prendra pas beaucoup de place. Vous n'aurez pas trop de peine à le mettre dans le coffre d'une voiture. Il est disponible en deux couleurs, gris ou noir. Moi, personnellement, je l'ai pris en gris. Et franchement, je trouve que je l'ai bien choisi, puisque je le trouve très stylé comme ça. On est sur un cadre en alliage d'aluminium. On va avoir deux freins à disque. Donc, frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière. Lumière à l'avant, lumière à l'arrière. Alors bon, la lumière à l'avant, elle est claire, hein. Voilà, elle est claire les mecs, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Elle éclaire pas le bout du monde, hein, c'est clair, mais elle sera suffisamment éclairée pour être visible des autres véhicules et pour voir ce qui se passe devant vous. Voilà, c'est pas un phare xénon, c'est clair, mais voilà, c'est suffisant. Feu à l'arrière, bon bah pareil, hein, voilà, feu à l'arrière qui reste fixe d'ailleurs. Pas de clignotement plus vif lorsque vous appuyez sur un frein ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que dès lors que vous allumez le phare à l'avant, le phare arrière va s'allumer lui aussi automatiquement. Donc bien sûr, tout ça c'est pompé sur le jus de la batterie puisque c'est dépendant, donc pas de recharge avec des piles ou quoi que ce soit, des fils USB, voilà. C'est directement branché sur la batterie, ça fait plaisir. On a une suspension avant, alors pas de suspension arrière, par contre on a une suspension de selle. Une suspension de selle qui fait bien le taf, une suspension avant qui fait bien le taf. La suspension avant n'est pas réglable. C'est vrai que j'ai un petit peu l'habitude de voir des suspensions réglables avec un petit loquet ou quoi. Mais là, voilà, c'est des suspensions basiques, pas réglables, mais qui font très bien le taf. Au niveau des pneus, je me suis mis en pression à deux barres à l'avant et à l'arrière. Là, je suis passé dans le chemin, tranquille, ça secouait vraiment pas plus que ça. Hein. Donc voilà, c'est parfait les mecs. En parlant des pneus, on est sur du 20 pouces de circonférence et 3 pouces de large. Alors c'est pas du fat bike, mais c'est plus épais que du VTT basique. Voilà, c'est de l'entre-deux encore une fois. On est vraiment sur le même design que le dernier qu'on a testé comme ça, c'était le Enjoy L20 SE. Donc voilà, on est à peu près sur le même design les mecs. Sauf que le Enjoy, il avait un panier à l'avant. Petit porte-bagages à l'arrière si vous voulez partir en virée, pique-nique, mettre des sacoches ou quoi. Voilà, ça c'est cool. Charge maximale sur le vélo, 120 kg. On a un bel écran LCD bien visible. Aucun problème pour être lisible. Bon, j'allais dire en plein soleil. Aujourd'hui, il n'y a pas un grand soleil. Mais voilà, aucun problème pour être visible. C'est un compteur basique, c'est exactement le même qu'on retrouve par exemple de tête comme ça sur le Shengmi Milo MX-20. Voilà, c'est exactement le même compteur. Vous pouvez changer vos vitesses, il y a 3 niveaux d'assistance électrique, 1, 2, 3, mais vous allez pouvoir facilement rentrer dans les programmes et échelonner les vitesses comme vous voulez. Après, bon, faut connaître un petit peu, faut prendre... Vous avez des vidéos sur YouTube qui expliquent bien ce compteur. Moi, je l'avais fait sur mon Shengmi Milo et franchement, voilà, j'avais pas peiné à le régler. Mais bon, je l'ai laissé d'origine, donc vous avez 3 vitesses au niveau de l'assistance électrique, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, la vitesse 1 qui va monter jusqu'à 20 km/h. La vitesse 2, 22 et la vitesse 3, 25. Au-delà de 25, ce sera à vous de pédaler. On a un dérailleur à l'arrière Shimano de 7 vitesses. Pas de plateau sur ce OneSport OT16. Alors, c'est un petit peu dommage parce que franchement, j'aurais bien vu un petit plateau. Ça aurait été pas de trop. C'est vrai que le vélo monte jusqu'à 25 km/h. Il n'aurait pas fallu qu'il monte jusqu'à 30 par exemple. À 30, croyez-moi, vous aurez commencé à pédaler dans la semoule. Bon, je vais pas dire que tu pédales dans la semoule à 25 km/h, quand même pas. Mais voilà, il faudrait pas monter à 30. Disons que pour pédaler agréablement, vous vous mettez en vitesse 2, 22 km/h. Voilà, franchement, c'est bien. Si tu veux te mettre en vitesse 3, que tu veux monter le vélo à 25 km/h, tu vas commencer à travailler un petit peu plus le cardio parce que tes jambes elles vont pédaler un petit peu plus vite, on va dire. C'est pour ça que je dis, ouais, un petit plateau, ça aurait été cool. Ou alors, plus de vitesse au niveau du dérailleur. Bon, après, ça augmente forcément les coûts de fabrication et ça augmente forcément le prix du vélo. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants, mais vous allez voir que c'est un vélo qui reste abordable. On a une batterie de 48 volts, 15 ampères.
On a un moteur arrière de 250 watts. On a une autonomie de 40 km annoncée en mode pur électrique. Alors, j'ai pas monté le mode pur électrique, c'est-à-dire que j'ai pas mis de poignée d'accélération sur le vélo. Il y en a une qui est livrée avec. Vous pouvez la monter si vous le voulez ou non. C'est vrai que bon, du coup, le vélo, il vient comme ça parce que c'est pour respecter un petit peu la loi française, hein, vous le savez, les poignées d'accélération, normalement, c'est interdit en France. Bon, tout le monde en a, hein, je veux dire, voilà. C'est vrai qu'il casse un petit peu les pieds avec ça, surtout pour un vélo de ce style à 250 watts. Voilà, vous mettez la poignée d'accélération, vous n'allez pas vous envoler comme une fusée. Hein. Mais bon, sachez qu'elle est livrée avec le vélo, vous pouvez la monter si vous voulez. D'ailleurs, il y a un fil qui se balade là tout seul. C'est sûr que c'est pour la poignée d'accélération. Donc 40 km d'annoncé en mode pur électrique. J'ai remarqué qu'il manquait quelques informations tout de même sur le site, notamment l'autonomie en mode pédalage assisté qui n'est pas notée sur le site officiel. Alors bon, avec 15 ampères sur un vélo comme celui-ci qui fait approximativement 30-31 kg puisqu'encore une fois cette information est manquante sur le site officiel. C'est dommage, hein. Mais bon, voilà, vous le voyez au niveau du design, clairement c'est un L20 SE, donc voilà, le L20 SE il faisait 31 kg, celui-ci, allez, t'enlèves le panier à la rigueur, voilà, il fait 30 kg. Donc voilà, je pense que vous pouvez tabler sur une autonomie, on va dire, bien tassée, hein, 80 km à peu près. 80 km d'autonomie, c'est largement jouable, avec une batterie de 15 ampères et un moteur de 250 watts. Le temps de charge, qui n'est pas noté non plus sur le site, c'est dommage parce qu'il manque pas mal de petites informations comme ça, hein, OneSport. Hein. Il manque quelques infos quand même sur le site officiel. Je pense que voilà, il y a quelques trucs à revoir sur le site. Il manque le temps de charge. Eh bien, ça intéresse des gens quand même, voilà. Donc, on a un chargeur de 2 ampères et vous pouvez compter facilement 8 heures de recharge, les mecs. Avec un chargeur de 2 ampères pour recharger une batterie de 15, 8 heures de recharge. Maintenant, le prix. Alors, la dernière fois, j'ai été voir, il était à 899 €, donc 900 €. Hein. Et je suis parti voir aujourd'hui, les mecs, et il y a une promo à 764 € et 10 centimes. C'est super précis, ouais. Mais voilà, c'est le prix, les mecs. 764 € et 10 centimes. Donc franchement, ça reste abordable. Ça reste abordable, ça reste une bonne affaire. La selle, elle est très confortable. C'est vrai que bon, là, j'en ai pas parlé. Mais voilà, elle est très confortable, elle est bien moelleuse et tout, c'est nickel. Vous avez une petite fonctionnalité sur la selle pour retirer la batterie sans forcément devoir démonter la tige de selle et tout. Donc ça, c'est cool. Alors, petit point quand même sur cette tige de selle là, pas sur la tige de selle, mais sur le fait, sur la fonctionnalité de relever la selle. C'est-à-dire que voilà, j'ai remarqué que le point, voilà, le loquet, il bloque sur la selle. Donc, faut un tout petit peu forcer et là, tac, voilà, là, ça se lève. Et puis après, bah bien sûr, tu retires ta batterie, tu vas la recharger chez toi tranquillement. Ou alors, si vous voulez, voilà, vous la rechargez directement sur le vélo. Bien sûr, on a avec ceci deux clés de livrée. Donc, bah, c'est les deux mêmes. Hein. Les pédales qui vont se replier sur elles-mêmes, c'était important à préciser puisque c'est pas sur tous les vélos. Le guidon, bien sûr, un grand classique, hein, réglable en hauteur. Donc moi, personnellement, je l'ai monté à fond. Garde-boue avant, garde-boue arrière. Beau guidon, très agréable à piloter. Et puis bah voilà, franchement, qu'est-ce que je pourrais vous dire de mieux? Encore une chose qui n'est pas notée sur le site, c'est l'indice étanchéité. Bon, je suppose qu'il y en a une, hein, voilà, hein, ce serait un peu couillon pour ce style de vélo. Donc j'opterai sur de l'IPX4, quoi. Voilà, pas de quoi faire de la plongée sous-marine, encore une fois. Mais voyez, rouler d'un temps comme ça, là, tu passes dans les flaques d'eau ou quoi, pas de souci, même rouler sous la pluie fine, aucun problème. Mais voilà. OneSport, petit message, c'est des choses qui ne sont pas notées sur votre site, tout ça. Voilà, il y a deux, trois petits trucs à revoir quand même. L'autonomie en mode pédalage assisté qui est pas notée sur le site. Le poids du vélo, le temps de charge, l'indice étanchéité, tout ça, c'est, voilà, c'est des informations à prendre en compte. On a pas mal parlé du vélo. Je vous propose donc qu'on aille faire un petit ride avec, en espérant que je me noie pas parce que franchement, il y a des flaques d'eau de partout. Et ben, c'est parti, mon gars. Let's go. Bon, alors, sans aucune conviction, ça a la patate quand même, hein, les mecs. Hein. Ça a la patate quand même, hein. Un peu. Oui, donc, je vous disais donc que sans aucune conviction, je vais me diriger par là-bas. Voilà, j'espère que c'est pas trop la gadoue. Si c'est le cas, bah, je rebrousserai chemin, on fera demi-tour et puis c'est tout. Hein. Là, vous voyez, par exemple, dans le chemin, alors, je suis à 15 km/h en vitesse 1. Alors que tout à l'heure, sur l'asphalte, vitesse 1, je montais à 20 km/h quand même. Voilà. Donc bon, bah pour 15 km/h, vitesse 1, c'est correct dans un chemin comme ça. Si je mets vitesse 2, ah bah tout de suite, tu sens la patate.
Là, je monte à 20 km/h. Tout à l'heure, sur l'asphalte, je montais à 22. Et vitesse 3, bien sûr, je vais éviter là dans le chemin tout de suite. Mais vitesse 3, ça va vous emmener jusqu'à 25 km/h. Après, au-delà de 25, ce sera à vous de pédaler. Alors franchement, moi, je trouve qu'en vitesse 1 et 2, c'est très agréable. C'est très agréable parce que tu n'as pas cette sensation de mouliner. C'est vrai qu'à la vitesse 3, on testera tout à l'heure quand on arrivera sur le goudron. Mais vitesse 3, quand tu arrives à 25, je ne vais pas dire que tu moulines. Tu vois, voilà, tu moulines pas. Mais tu sens que tu commences à pédaler vite quand même. À 25, tu commences à pédaler assez vite. Tu sens que tu as tes jambes qui s'affolent. Tu vois. Et bien sûr, je viens juste de me rendre compte. J'ai pas attaché mon casque. Ça a l'air d'être relativement roulable par ici. En tout cas pour le moment. Bon, j'ai oublié de vous parler quand même de 2-3 trucs. Alors 2-3 trucs minimes. Hein, puisque bon, je vous ai dit vraiment tout ce qu'il y avait à savoir sur le vélo. Hein. Mais on a des réflecteurs de rayons qui sont livrés avec le vélo. Je ne les ai pas montés. Voilà, ils sont restés dans le carton. Et on a une sonnette avec le vélo que je n'ai pas montée également. Qui est restée dans le carton. Oh putain, attendez. Il y a un petit peu de gadou par ici. Non, ça va, ça passe. Ouais. C'est un petit peu chaud quand même. C'est un petit peu chaud. Bon, ça va, ça passe. C'est correct. Il y a pas mal de gadou par là. Je vais juste saloper tout le vélo et mon pantalon avec. Bon, heureusement, on a des garde-boue. Aïe. Où est-ce que je me suis fourré? Attendez les mecs, parce que là je suis vraiment parti dans un chemin de terre. Et puis je peux vous dire que si je glisse là, je suis pas clair mon gars. Je ne suis pas clair. Ça va, c'est correct, ça a l'air de passer. Donc c'est vrai que bon, niveau confort les mecs, bah on est très bien sur le vélo. Hein. Franchement, la selle elle est très bien. La tige de selle, elle fait bien son taf. Les suspensions avant, ils font bien le taf. Oh là 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 les mecs, oh putain. Bah alors là, tiens, je teste l'effet cross du vélo. Là, je passe dans la gadoue. Je vous explique même pas la galère. C'est un truc de ouf. Et j'ai ma caméra qui commence à se barrer en couille. Voilà, on va remonter légèrement. Heureusement quand même qu'on a des bons pneus de 3 pouces tout terrain. Parce que je peux vous garantir que c'est pas avec le vélo de ville qu'on a présenté la dernière fois que je serais passé par ici. Hein. Là, gros, j'aurais fini en drift, la tête dans une flaque d'eau. La tête la première. Ouais, en parlant de drift. En parlant de drift, les mecs. Oh, putain. Oh, bah, là, je vous dis. Oh là 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 là. J'espère que ce chemin, il est bientôt fini. Je sais pas trop où je suis parti. Aïe, aïe, aïe. Bah, vous l'entendez les mecs, mais je passe dans des flaques d'eau là. Moi je passe dans la bouillasse là. C'est un truc de ouf. Moi j'ai l'impression que je suis parti en rallye. Ah ça y est, ça commence à se dégager là. Ça y est, j'ai l'impression que c'est fini. C'est peut-être qu'une impression. Non c'est bon, c'est fini. Je vois la lumière au bout du chemin. On en est sorti. On va pouvoir se tester un petit peu d'asphalte. Alors en plus, je vous dis, dans le coin, les inondations, ils sont repartis de plus belle. Ouais, il me semblait que tout à l'heure, j'étais monté à 20 en vitesse 1. Ouais, j'étais en vitesse 2. Oh, putain, mon gars. Ouais, j'étais peut-être en vitesse 2. Ouais, je suis à 20 là. Ouais, ouais. Bah ouais, ouais. Ouais, je peux pas aller à 20 en vitesse 1 et 22 vitesse 2. Ouais. Donc 15 vitesse 1, les mecs. 20 vitesse 2. Ouais, 19,8, je vois, machin. Bon, 20. Et vitesse 3, bien sûr. Voilà. Ça vous emmène tout de suite à 25. Sans problème. Alors là, voilà. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu comment je pédale. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à la caméra. Mais je pédale assez vite. Tu vois? Alors que là, j'accompagne juste le vélo. Bah, j'étais à 27 dans la descente, mon gars. 27 déjà. Alors qu'en vrai, j'accompagne juste le vélo. Et c'est vrai que là, par exemple, regardez. Je suis à 29. 29, 30, voilà, je suis à plus de 30, là, 32, bah, là, je mouline, les mecs. Hein. Là, je suis à 35. Attends, bah, je suis en descente. Hein. Le vélo, il monte pas à cette vitesse. Je suis à 36. Voilà, bon, je mouline. Donc, 25, ça reste bien. Mais c'est vrai qu'au-delà, vous voyez, si le vélo montait tout de suite à 30, 35, bah, 35, les mecs, là, j'étais en train de mouliner. Hein. Mais 25, bon, c'est correct. Voilà. Tiens, je vais aller faire un petit tour en face, voir. Vous voyez que je vais jamais par là. Je sais pas où je suis parti, les mecs, mais... J'y suis parti. On va peut-être faire demi-tour quand même. Bon, alors au niveau des montées, les mecs. C'est vrai que là aujourd'hui, j'ai pas été prendre la montée de la mort.
parce que bon, je suis parti un peu ailleurs. Je fais aussi au niveau de l'itinéraire des inondations. Regardez, on va en prendre une montée. Et franchement, aucun problème les mecs. Mais voyez, là je suis vitesse 3. Donc la petite montée quand même, hein, tu vois. Je suis à 25. Voilà, 24,8, 5, ça dépend. Voilà. Là, je suis à 24 dans la montée. Et franchement, ça monte très bien les mecs. Hein. Voilà, là, tu es en mode balade, chill, tranquille, 20 km/h. En plus, si tu restes en vitesse 2 comme ça, forcément, ton autonomie, tu la prolonges. Si tu te mets vitesse 1 et que tu forces un peu sur tes jambes, c'est encore mieux. Tu prolonges encore plus l'autonomie. Bon, vitesse 1, ça emmène à combien? Je crois qu'on a dit 15 km/h. Bah, voyez, je vous avais raconté des conneries tout à l'heure. Je vous avais dit 20 en vitesse 1, 22 en vitesse 2. Bon, et puis j'ai pas pompé la batterie, les mecs. Hein. Là, actuellement, j'ai fait 4 km. C'est pas ça qui va pomper la batterie. Hein. J'ai même pas une barre de descendue. Bah, encore heureux. Donc là, voyez, regardez, je suis dans une petite montée. Oh, c'est pas une grosse montée, hein, mais une petite montée. Et vitesse 1, tranquille, les mecs. Voilà, on peine pas. Bon, on est sur un 250 watts, c'est pas un foudre de guerre. Mais tu vas pas peiner à faire ta montée tranquille, voilà. Tu la monteras aussi bien qu'un vélo qui fait 500 watts, 1000 watts. Bon, bah, sauf que toi, tu la monteras moins vite. Voilà, c'est tout. Mais là, par exemple, regardez, vitesse 1, franchement, je pédale pas. Alors, bon, je pédale, mais mes jambes, elles font juste le geste. Hein. J'accompagne les pédales. Hein. Eh bah, regardez, voilà, je suis à 14 km/h dans la montée. Voilà, 14 km/h. Et sans problème. Voilà, on a quand même une belle montée. Je crois que je l'ai dit, mais le vélo peut monter des pentes jusqu'à 25 degrés. Donc, bah, tranquille les mecs. Hein. Alors pareil, un truc que j'ai pas dit, mais ça c'est sur tous les vélos où le guidon est réglable en hauteur. C'est-à-dire que si vous montez beaucoup trop votre guidon, ça va tirer les câbles de frein. Et vous allez, dès que vous allez tourner, votre vélo, il va freiner tout seul ou quoi. Donc voilà, faut toujours trouver la limite. C'est-à-dire que vous avez une barre au niveau du guidon. Hein. En bas au niveau du réglage, faut pas dépasser cette barre. Dès que vous dépassez cette barre, ça va tirer sur les câbles et puis bah votre vélo il va freiner tout seul quoi. Donc c'est pas le but. En conclusion, c'est pas un foudre de guerre, hein. C'est un vélo qui va être fait pour la balade tranquille. Voilà, si tu veux te balader dans les chemins, en ville, c'est vraiment un vélo passe-partout. C'est ni un gros fat bike, ni un vélo avec des pneus trop fins. C'est un entre-deux. Si vous voulez en savoir plus sur le OneSport OT16, vous avez un lien dans la description comme d'hab. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, en repartant, bah, vous n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser un petit commentaire, vous abonner bien sûr. Et puis nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous dis, salut! Non, franchement, il est bien.